Salut les filles, salut les garçons, salut les autres de si vous voyez ce vlog là, c'est parce que vous êtes Bodgo est actuellement dans l'avion. On se retrouve dans ce vlog préparation. J'ai trop hâte que ce vlog commence. On va faire les cheveux, on va faire les ongles, on va faire l'épilation, on va faire la valise, on va tout faire. Oula, première étape, hair routine, ok, on va faire les cheveux. Vous êtes très bien là les gars, attendez, ça ne va pas, ça ne va pas. J'avais des braids, j'avais mes braids, je voulais pas laver mes cheveux, je me dis non j'attends et tout. Comme là en fait quand je vais aller où je vais faire, je mets pas de braids ou quoi que ce soit, je vais aller avec plusieurs pépites différentes pour changer les têtes. Parce que là les braids c'est bon, hein. C'était cool, c'est bon. On va faire la hair routine que vous me demandez tout le temps, je vais la faire ici. Il y aura une vidéo hair routine spéciale, vraiment tout ce que je fais plus tard. J'ai été contactée par la marque Pomelo & Co. Donc Pomelo & Co, qu'est-ce que c'est? C'est une marque capillaire qui propose différents produits capillaires selon ton type de cheveux. Donc si tu as les cheveux secs, crépus comme moi, il y a une routine capillaire, il y a des produits spéciaux pour ces cheveux là. Si tu as les cheveux gras, si tu as les cheveux lisses, si tu as les cheveux hein, tout là. Il faut savoir que les produits Pomelo & Co sont 100% vegan. Il n'y a pas de parabènes, pas de silicone. Et ça, celles et ceux qui veulent que leurs cheveux poussent, évoluent, se fortifient, etc., enlevez tous les produits avec les parabènes, les silicones dans vos hair routines là. Faut enlever ce genre de produits parce que ça casse vos cheveux. Moi je l'ai compris il y a peut-être 3-4 ans, c'est ça que mes cheveux ont bien poussé, vous allez voir. Ils m'ont envoyé 4 produits, ils m'ont envoyé leur masque nourrissant. Ils m'ont demandé mon type de cheveux, j'ai dit que j'avais des cheveux secs. Ils m'ont donc envoyé leur masque nourrissant. Ça j'ai vu plusieurs influenceuses en parler, Leslie, trop beaux cheveux. Margot Maramoussa en a parlé, donc moi aussi j'ai hâte de le tester. En plus ça, il y a des produits 100% naturels, de l'huile de coco, de l'huile d'oléa, de l'huile des graines de simondia, de l'huile de pérès, que des trucs naturels, ça c'est top. Il a fallu que je le mette 10 minutes au frigo, donc là j'ai mis 10 minutes au frigo, je vais l'appliquer. Il m'a envoyé le shampoing et l'après-shampoing à la pêche, à la noix de coco. En fait, ça aussi il y a de l'huile de coco. Également envoyer ça, donc ça pour bien masser le crâne, c'est trop important de masser son crâne quand tu mets des produits, je le dis, je le redis et je le répète. Genre moi j'avais l'habitude de le faire avec mes mains et là ils m'ont envoyé ça, c'est trop cool. Je vais défaire mes grosses nattes. Franchement j'ai fait des nattes, t'as peur. Des nattes, aïe. Des nattes, t'as peur. J'en ai fait 4 grosses parce qu'en fait flemme, mes cheveux là c'est longtemps, ils me donnaient la flemme. J'ai la flemme de les laver, flemme de tout. Sachant que moi, je fais le cure de sommeil, c'est-à-dire que là, je vais laver mes cheveux. Je vais bien prendre soin, je vais bien tout mettre, les produits, les masques et tout. Et ensuite, je fais mes petites nattes bien fines que je garde pendant un mois. Et pendant un mois, je ne touche pas mes cheveux. Hein. J'ai fini de démêler mes cheveux. Ouh, mon crâne il est tellement sale que ça me gratte. Ah là 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 là. Oh là là. Bon, pour toutes les personnes qui se demanderaient ce que j'ai sur les lèvres, c'est de l'huile de pain parce que mes lèvres sont gercées. Je ne comprends pas. Compote, compote, comment c'est fait? C'est trop beau. En tout cas, leur packaging, rien à dire. Je sens une grosse toile. Faut laisser poser 30 minutes. Là, je sens une grosse toile avec mes nattes. Moi, pour que ça agisse bien, sachez du coco. Voilà. Et je vais venir mettre ma petite Charlotte. Et puis, on va laisser poser ça 30 minutes pour l'avant, ensuite avec le shampoing et ensuite l'après-shampoing. Thank you.
sous de la douche. Ouh, en tout cas, les produits, ils sont super bons. J'ai grave kiffé le conditionneur là. Ouh, attends. La première chose que je peux constater, ce sont mes boucles. Bon, là, vous voyez même pas trop bien mes boucles. J'ai l'impression qu'ils sont largement plus définis. Mais pomelo. Mes cheveux sont doux. Genre, ils sont vraiment doux. Genre, j'aime trop les boucles. Les boucles, j'aime bien. J'aime beaucoup. Franchement, pomelo, pas mal. Que je faisais mes masques et je sortais par exemple de la CDM. Mes cheveux, ils étaient tout secs, tout rentrés. Mais là, mes cheveux, ils sont vraiment super doux. Genre vraiment super doux. J'aime beaucoup ce que je vois là. J'aime beaucoup. Franchement, surtout l'huile, le masque. Le bain d'huile masque là, à l'huile de coco, j'aime trop. Et les produits sont super bons. Et en plus, ils sont 100% vegan. Donc en plus de sortir bon, ça n'abîme pas tes cheveux. J'aime beaucoup. Parce que là, je vais les laisser sécher à l'air libre. Et puis demain, je ferai mes nattes pour mettre mes perruques. Hein. Et puis après, cure de sébum, vous savez très bien, je vais pas laver mes cheveux. Donc, franchement, pomelo, je vous le recommande pour l'instant. Mes cheveux sont top. Surtout, ce que je recommande vraiment, c'est le bain d'huile. Le bain d'huile là, masque, il est top. Vraiment, il est top. Donc, ça nourrit vraiment super bien les cheveux. Quoi. Je mets tous les liens en barre d'infos. Vous avez aussi mon code promo MIRAYT. Pour toutes vos commandes, n'hésitez pas. Surtout que le masque, je crois, il a 13€. Donc, en soi, il est pas déjà cher. Je mets tous les liens en barre d'infos. Mais franchement, n'hésitez pas, j'aime beaucoup. On se retrouve pour la suite de ma préparation des vacances. Je sais pas ce que ça sera. Mais... Hello. Et je suis KO. Aujourd'hui, on est donc samedi 19 mars. On reprend encore la préparation pour les vacations. Ok, donc... Aujourd'hui c'est un grand jour les gars. Je vais me faire épiler. Je n'ai jamais, en fait si je m'épile, mais je me suis jamais fait épiler par une esthéticienne professionnelle. Épilation à la cire, je crie. Mais je sais que c'est l'épilation la plus efficace. Donc je vais me préparer vite fait. Et puis on va aller s'épiler. Et j'ai peur. J'ai vraiment tiré, j'ai peur. Parce que j'ai... Mes lèvres blanches là, ça va pas. Hein. On va chez Roseria Beauty Room. Donc c'est la petite sœur de Christelle Décocha qui a ouvert son institut. Donc c'est trop cool. J'ai hâte de voir ça. Surtout que bah, déjà c'est une jeune fille. Et en plus de ça, noir, on va pas mentir. Hein. Donc ça fait du bien de voir des jeunes filles comme ça et tout. Entreprendre et tout, ouvrir son petit institut et tout. Donc du coup j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de visiter ça, de voir comment ça se présente. Et puis voilà quoi, pourquoi je ne ressemble à rien du tout. Hein. Allez, on en a pour 40 minutes, ça va, elle habite pas trop loin de la maison. J'ai cherché ma place pendant une heure. C'est pas possible. Donc là les gars, je me fais épiler. Chez Roseria Beauty Institute. Je stresse parce que je ne sais jamais fait. En fait, la cire, c'est ma phobie de la terre. Mais je sais c'est ce qui fonctionne le plus. Donc là, c'est la première fois que je me fais répéter chez une esthéticienne. Donc j'ai hâte de voir ça. Comment ça va se passer et tout. Je sais que je vais crier, mais tranquille. En tout cas, franchement, je vais bien m'occuper de Meredith. Mais ça. Ça flingue. Seigneur. Ça va en tout cas, c'est pas trop chaud? Non, franchement ça va. C'est la base déjà. On se retrouve lundi pour la suite de les préparations. De la préparation. Quoique peut-être on se retrouve demain pour faire ma valise. Salut tout le monde. Donc là aujourd'hui on est lundi 21 mars les gars. Aujourd'hui on va aller faire les ongles. Donc je vais aller faire mes ongles, c'est des haines luxuries comme d'hab, ça bouge pas. Ensuite je vais aller un peu faire un peu de shopping. Enfin je vais aller acheter, c'est pas vraiment du shopping non. Je vais juste acheter mes concealers.
Et c'est tout, je crois. Du coup, je vais passer au Paris Nord. Je sais vraiment pas quelle couleur je vais faire, mais je vais un truc très coloré. Hein. Forcément, c'est les vacances, il fait chaud. On veut des trucs colorés. Logique. Ce soir, je vais faire ma valise. Ce soir, je vais quand même faire ma valise parce que les gars, j'ai enfin reçu ma commande in. Enfin, je dis enfin, j'ai pas beaucoup attendu en vrai. J'ai attendu une semaine. Mais le fait que, comme, vas-y, c'est serré, je pars, etc. Je me suis dit, hey, Seigneur, ça va pas venir. Mais franchement, Shein, je tiens à remercier Shein pour la livraison. Et c'est pas parce que je suis influenceuse, parce que même quand je commande, normalement, avec mon argent, ça vient 6h08. Donc, franchement, Shein, merci. Je vous dis, commandez sur Shein. C'est la base. On a 40 minutes de route jusqu'à chez Gianni pour qu'elle passe maison. Regardez les maisons depuis la dernière fois que je les ai fait, ça ne part pas. Donc du coup, j'espère qu'elle va me les envoyer. Je sais pas comment on va faire. Mais ouais. Bonjour, c'est pire, l'attaque des clones. Faut mettre l'essence. J'ai pas l'argent. Les 20 euros que je vais mettre, ça pourra pas tout faire. Si, ça va tenir. Maman, ça va pas tout faire parce que je dois aller encore au Paris Nord. Come back at 6, wake me and your child. And it won't lay today. Make me wonder who you might have been playing with. Makes me wonder who you think you're playing with. I'm just a myself to keep. Regardez-moi ça, comment c'est trop joli. Trop trop beau. La dead, hein, comme d'hab, ça change pas. Tout le monde va à bientôt. À bientôt. Ouais. Là, je suis McDo, je suis posée. Je suis partie à Sephora et à Primark. J'ai des petits trucs, je vais vous montrer ça en rentrant, mais je suis KO. J'ai rencontré certaines des personnes qui me suivent ici, donc si vous passez par là, coucou. 134 maintenant. Donc, du coup, là, hey, je suis KO. Première fois que je mange toute seule. Mais une première fois, il faut se suffire à sa propre compagnie. Non, il faut se tenir à sa propre compagnie. Reste à côté, mais je suis fatiguée. Regardez tous les swatchs. Être une fille ça coûte cher. Bon les gars, je viens de rentrer. Je suis fatiguée. J'ai fait trop d'heures de route. Franchement je suis fatiguée. Je vais vous faire un petit haul de ce que j'ai reçu là. J'ai reçu des adaptateurs comme ça. Ça j'ai connu par contre sur Amazon Prime. Vive Amazon Prime. Donc du coup deux adaptateurs comme ça parce que où je vais c'est pas des prises françaises. Donc du coup avec les lisseurs, le chargeur, la batterie de ça là. Parce que bien évidemment je vais vlogger. Voilà, il me fallait absolument un adaptateur. Des petites pinces comme ça. Donc ces petites pinces là en fait c'est parce qu'en fait j'ai une jupe et elle est trop ouverte. Donc du coup je vais la faire. Après chez Amazon aussi des paires de fossiles. Parce que ça fait très longtemps, c'est vrai, je suis dans un mood no fossiles etc. Mais en fait les fossiles c'est la base. J'aime trop les fossiles donc je vais pas m'arrêter de mettre des fossiles. Donc du coup j'ai commandé cela pour 10 euros. Sachant que j'en ai commandé plein sur Ali. J'attends qu'ils viennent mais bon. AliExpress n'a pas encore AliExpress Prime. Franchement créer ça ce serait une bonne hein. Voilà, au Paris Nord, j'ai pris chez Sephora, du coup, j'ai pris deux blushs, n'importe quoi, j'ai pris deux concealers Born This Way, comme vous savez, je cherche mon côté light under eyes, donc j'ai pris le Warm Scent que je prends tout le temps, c'est celui que j'utilise tout le temps, et j'ai pris du coup le Warm Beige, qui celui-là est donc le plus clair pour en dessous des yeux. Je vais prendre le cookie, mais le cookie il est indisponible partout, même sur internet il n'y a pas. Du coup j'ai pris le Warm Beige, je ne sais pas si vous pouvez voir comment il est clair, comparé du coup au Warm Sand. Franchement ces concealers ils coûtent cher, mais c'est la base. Voilà, enfin, on voit pas, hein. Là comme ça on voit pas, hein. On voit pas la différence, faut que je fasse un... Encore un peu ça. Un swatch, mais j'ai la flemme. J'ai Primark cette fois-ci. J'ai pris un petit sac comme ça. Il me fait rappeler au sac coach. Bon, comme j'ai pas l'argent du coach, ça sera ça pour l'instant. Ensuite, j'ai pris un lot de trousses comme ça, en fait. Parce qu'en fait, dans ma trousse de maquillage, attendez, je vous montre ma trousse. Trousse comme moi, elle est big. Genre, elle est big. Et il y a tout qui est mélangé. Je m'y retrouve absolument pas. Donc là, tout à l'heure, je vais tout trier. Les fonds de teint, les poudres et tout, bien trier comme ça. Quand je vais arriver là-bas, je serai calme. J'aurai juste à poser ça dans la salle de bain. Et après, c'est tout, tu vois. Parce que là, à chaque fois, tout enlever, tout débarrasser, ça fait du bordel. J'ai pris un petit top comme ça. Ils font des lots de top genre sport. Du coup, j'en ai pris un comme ça, bien gainant. J'aime beaucoup. Très cool. C'est un top simple, quoi. Il m'a coûté quoi, 4 euros. Donc ça va, il est bien. Il est bien. En tout cas, la matière, j'aime beaucoup.
C'est très triste. J'ai pris des culottes. Désolé, hein. Bon, il y a des filles ici, on s'en fout. J'ai pris des culottes, mais vous savez, les culottes gainantes. En fait, les culottes qui vont faire que ça va bien serrer au niveau de la taille. Quand par exemple, je mets des robes serrées ou quoi que ce soit, même si j'ai ma gaine. Hein. Mais du coup, voilà. Bon. J'ai repris mes vests brassières. Ça, c'est les vests. J'en ai une là. Genre, c'est vraiment les vestes, je les mets tout le temps, ils vont avec tout. Si t'as voulu mettre de soutien, t'as juste à mettre ça et t'es tranquille. Donc là, j'aime trop. J'ai pris quoi? Un petit short comme ceci pour dormir avec son petit cinglet. Son petit débardeur, hein. Voilà, tout simple pour dormir. J'avais fait beaucoup de body comme ça, donc j'ai pris un petit body blanc, tout simple comme ceci. Il m'a coûté 8€. Par contre, leur M, vous avez vu, leur M, c'est 40-42. J'aurais dû limite prendre du 36-38 parce que j'ai l'impression que moi les body faut que ça me serre. Bon, c'est pas grave. Donc un petit body simple comme ça, blanc. J'ai pris quoi? J'ai repris un petit porte-cas. Du coup, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la valise. Là je vais un peu me reposer parce que j'ai fait des heures de route. I'm tired. Je suis KO, je suis fatiguée. Vraiment pour le coup, je suis fatiguée. Donc on se retrouve tout à l'heure, hein. On se retrouve tout à l'heure, bah, tout de suite pour vous. Je suis fatiguée. Là j'ai deux gros cartons parce que j'ai reçu mes commandes chiniques, etc. Donc là je pourrais pas tout ramener, c'est impossible. J'ai tourné à 23 kilos. Donc je vais pas tout ramener, c'est mort. Mais j'avais toujours les trucs comme on dit, ouais, au cas où on ramène, on ne sait jamais. Mais là non, je peux pas faire de au cas où, je dois vraiment être juste. Du coup j'ai fait ça. C'est un mood board où j'ai, en fait j'ai mis toutes mes tenues par jour, les tenues de soirée, etc. Donc ça c'est cool. Comme ça, là, j'aurais juste bah, déjà à prendre les tenues que j'ai. Et voilà. Hein. On va faire ça, on va faire ça. Ma femme, elle est malade. Là, je commence à sortir le rhume là, qui est en train de venir. Là, je vais boire du thé, un thé chaud, pour éliminer toutes les bactéries parce que c'est mort. Je ne vais pas tomber malade pour des vacances. Ça va pas. Je dois faire un tri, les gars. Bon les gars, je suis KO, on se retrouve demain pour les tests PCR, pour la coiffure et pour la pédicure et puis on aura fini. Mais je suis morte. Salut tout le monde. Donc là aujourd'hui on est J-1. Je pars demain par la grâce de Dieu. Là ce que je vais faire là, il est 10h, enfin 9h58. J'allais faire mon test PCR. Ensuite je dois passer à Auchan pour acheter des serviettes hygiéniques parce que en tout cas leur assez pendant les vacances, bref. Et ensuite cet après-midi à 16h30 j'ai rendez-vous pour aller faire un poser ma week chez ma go, ma sopapine, ça change pas. Et je vais aller, je repars chez Rosaria Beauty Room pour me faire ma pédicure. Et puis voilà, la journée sera finie, puis tout sera bouclé. Là hier du coup j'ai fait mes valises. Et bon, il y a encore plein de choses que je dois changer, enfin que je dois rajouter, etc. Je ferai ça en rentrant. Là je vais faire mon test le matin, comme ça je suis tranquille. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Je retire. Est-ce que vous voulez un mouchoir? Oui, s'il vous plaît. Merci, c'est bon? C'est bon pour moi. Oh là là. Elle m'a pété le nez, frère. Ah!
J'avais oublié la sensation du test. Oh oui, j'ai très mal au nez là. Oh putain. Du coup là on est actuellement 17h, là il est 16h50. Je devais aller poser ma wig chez ma Flo, mais bon il y a eu un souci, donc du coup je vais pas poser ma wig. C'est pas grave, du coup je vais faire quoi? Je vais juste aller faire ma pédicure et puis rentrer. Et puis finir mes valises et puis voilà quoi. Ah oui, il y a la skincare aussi. Faire ma skincare, tout bien laver ma peau. Et puis voilà, ce sera tout. Je suis fatiguée, franchement, je n'en peux plus. Mais bon, c'est pas grave. C'est dernier préparatif après. Le soleil, tout, la paix, la calmilité. La peace. On est de retour chez Rosaria Beauty Room. Et je suis trop fatiguée. Sont magnifiques, ouais, je vais en privé, mais ils sont trop jolis. C'est la première fois que je fais une French et c'est trop beau. Merci encore, hein, à la cordette. J'ai pas changé de coupe. Du coup, c'est bon, on a terminé. Trop beau. Première fois que je faisais une French et ta dead. J'aime trop. Ça fait vraiment naturel. J'ai kiffé. Donc, du coup, tu sais, coordonnées en bas, ça change pas. Hein, donc voilà. Merci en tout cas. Bon, les gars, on est encore dans l'organisation là. Je voulais faire ma valise. Avant de faire ma valise, je voulais faire montrer les deux paires que j'ai reçues de chez Kikiz. Qu'est-ce que c'est? C'est un site internet dans lequel vous allez retrouver plusieurs paires de baskets. Donc il y a des Jordan, il y a des Nike, il y a des Adidas, il y a vraiment de tout. Donc moi j'ai pu choisir deux paires de baskets que je vous vais montrer maintenant. Nous avons celle-ci. Donc c'est la Dunk Low simple en noir et blanche comme ceci. C'est donc vraiment une paire que tu vas mettre avec tout. C'est celle que je portais à l'aéroport avec mon petit outfit que vous verrez. Un petit legging noir, un petit crop top noir, un peu streetwear, tu coco. Donc j'aime trop, celle-ci elle est très belle. Ensuite nous avons cette paire-ci. Franchement, je les ai sous-estimées de ouf. Parce qu'en fait, je les voyais, je me suis dit, bon, vas-y, je les prends parce que j'ai pas de paire comme ça. Mais elles sont calmes. Donc j'ai pris une paire de Sakai Undercover. Regardez-moi cette beauté, s'il vous plaît. Elle est trop belle. Franchement, cette paire, trop jolie. Je sais pas si vous pouvez voir. J'aime trop les paires colorées. Et franchement, le rouge, le vert comme ça, je kiffe. Elles sont super belles. Et au pied, elles sont encore trop belles. J'aime beaucoup. Merci à Kikiz de m'avoir envoyé ces deux paires-là. Faut savoir que sur Kikiz, il y a le paiement en plusieurs fois pour les personnes qui ne peuvent pas payer directement une paire le prix. Il y a la possibilité de payer en plusieurs fois. Donc, je vous mets tous les liens en barre d'infos du chez Kikiz si vous voulez commander des baskets. Mais le site est 100% fiable, hein. Parce que quand j'avais déjà mis un peu sur mes réseaux sociaux, et je me dis, est-ce que c'est fiable? C'est vraiment fiable. Même s'il y a un problème, le retour est gratuit, donc vous pouvez facilement retourner la paire. Mais franchement, ces deux paires là, je kiffe, j'aime trop. Du coup voilà, on va passer à la skincare. On va nettoyer. Du coup là, on va passer à la skincare. Parce que là, je sais pas si vous voyez, ma peau elle est dégueulasse. Donc du coup j'ai acheté plusieurs produits. Enfin, il y a des produits que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc mon savon, best savon, hein, ça change. Un exfoliant comme ceci, ça c'est super bien parce que pour enlever tous les points. Un masque à l'argile comme ceci. Donc franchement, moi j'ai la peau super grasse. J'ai vraiment la peau super grasse. Mais je sais que le masque à l'argile, ça aide pour les peaux grasses quoi. Toujours jamais sans mon gant exfoliant. Genre ça c'est, je me lave avec, je lave mon visage avec, enfin j'ai plusieurs, ça c'est pour le visage, mais j'en ai pour le corps, etc. Parce que ça te nettoie la peau en profondeur et c'est ce que je veux. Comme ceci, masque de visage là, je vais mettre ça, je vais voir comment ça se fait. Un masque pour les points noirs du nez, parce qu'au nez j'ai énormément de points noirs, donc du coup j'ai pris ça. J'ai reçu ça de chez AliExpress. On va tester ça avec vous. En fait, c'est un truc comme ça de vapeur. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais en fait, ça va m'aider en fait à ouvrir tous mes pores, etc. Donc ça, c'est top. Oh, mais c'est chaud. Là, mes pores sont bien ouverts. On peut passer donc à tout ça là. Alors, je vais commencer d'abord par, comment ça, exfolier ma peau. Yeah, yeah, yeah. Sun cracking in the morning. All I want you to do.
Du coup, voilà, voilà. J'aime trop ma poêle actuellement. Trop, trop bien. Trop, trop bien. Je sais pas si vous pouvez voir comment elle est bien. Un truc, à part là, le bouton. Du coup, c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, ce petit vlog. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, ne vous inquiétez pas, je vloguerai à Dubaï, parce que je vais à Dubaï. Du coup, je vloguerai à Dubaï, je vloguerai tout, tout, tout sur ça. Comptez sur moi. Dites-moi en commentaire si vous voulez plus des épisodes ou un long vlog directement. Je sais que vous aimez bien les vlogs de 1 heure, mais bon, je sais pas trop. Donc, dites-le moi en commentaire. En tout cas, voilà. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Moi, je fais plein, plein de gros bisous et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.